Équier. C'est comment? Qui? Intro! Intro d'abord! Si la zig était une go, j'aurais demandé son phone, je l'aurais séduit. J'aurais fini par me rendre compte que j'attends trop. Si la zig était une go, j'aurais demandé son phone, je l'aurais séduit. Et j'aurais fini par me rendre compte que j'attends trop. So listen to the sound of my voice. Your brother sending all my love. It's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound, baby boy. Si la zig était une go, j'aurais demandé son phone. Hey, le dos, le dos. T'as dit quoi non, grand boss? Ça va mon petit. Ça dit quoi alors? Comme tu crois que comme nos chambres sont côte à côte là, dès que tu appelles seulement, je sors, je suis ta secrétaire, j'obéis une fois, un jour. C'est pas parce que j'ai dit que je suis à zéro pas d'ici là, que tu crois que quand tu vas m'appeler, viens seulement un jour tu vas payer le transport, il te dit ça. Mais nous sommes voisins non, Gambos. Bon voisin, parle. Moi je t'appelais parce que j'ai un petit souci là, j'ai une petite préoccupation là. Préoccupe-toi. Les affaires des inscriptions académiques et autres là qu'il faut s'inscrire, c'est parce que ça se passe comment? C'est du genre que tu dois t'inscrire là ou bien tu peux un peu ralentir, tu mets un petit frein comme ça, après tu reviens t'inscrire, c'est même pas trop, ça se passe comment? Voilà les nouveaux venus, les bleus. Vous n'êtes même plus bleus, vous êtes clairs. Vous êtes presseux comme la diarrhée. Petit, tu te presses pour quoi? Tu es à l'université, tu viens d'avoir le bac. À l'université, faculté. Derrière le mot faculté, il y a encore quel mot derrière? Facultatif. Facultatif, qu'est-ce que signifie? On fait ce qu'on veut. Tu es intelligent, tu as vraiment eu ton bac avec mention. Mm-hmm. Petit, dans cette histoire-ci, il faut savoir que dans toute chose, il faut d'abord se faire plaisir. Tu reçois un agent, c'est un truc que tu n'es pas, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire ça là. Mm-hmm. Tu vois un peu non? Je vois. Tu n'es pas obligé d'aller payer. Non, mais tu es obligé quand même de payer. Mais bon, tu es obligé de payer là quand même. Mmh. Tu vois un peu, non? Mmh. Regarde, tu reçois un agent. Fais-toi plaisir. Regarde, j'ai flex. Regarde, on sent que ça sort du village. Tu es venu du village avec. C'est la grand-mère qui a apporté, non? Ouf. Quand tu viens avoir le bac là, on te donne les cadeaux. Voilà, c'est la part des cadeaux, c'est qu'elle a vu. Le fleur, c'est comme si c'était ta mère même. Ouais, on dit que ça chasse les sorciers. Tu sais pas pourquoi tu es encore là. Il faut d'abord que ça te chasse toi-même. Bref, ce qui se passe donc, c'est que tu dois d'abord te faire plaisir. Tu vois un peu? Mmh. Fais-toi plaisir, les pantalons. Vous avez les nouveaux pantalons qui sont sortis là. Tu dois d'abord mettre ça sur toi. Slimé, Destroy. Allez, vous avez les t-shirts là. Avec les gros nounous. La magie seulement. Ouais, petit frère. Où ça vous sert, maman? Ça rend swag, non, gars. Quand tu portes ça, la fille qui vient comme ça, là, te voit à distance. Elle voit le charisme représentant qu'elle est venue. Voilà. Oui, si c'est pour ça, c'est bon quand même. Elle sent que tu es chaud, tu es beau et tu es intelligent. Oui. Par exemple, c'est un peu ça. On t'a déjà. Ton parent t'a déjà donné l'argent. On vient de me donner 5 feuilles là, non? Le patin venait d'envoyer 5 feuilles là. Petit frère, 5 feuilles. 5 feuilles, 50 000. Voilà. Petit. Donc, où c'est là, non? Je ne devrais pas me gauser d'abord où je suis là. C'est-à-dire que tu devrais d'abord m'amener au bar. Mmh. On prend 2 bières dans ton argent, bien sûr. Après là, on bascule. Le sauté, ou bien les émincés de bœufs, les fricassés de bœufs. Ah, tu dis que tu as le mot, tu connais les bœufs, tu connais vous appelez ça aussi les petits pois. Les petits pois. Les trucs comme ça. Voilà. Hey, moi, où je suis là, moi que tu vois, c'est là. Moi, on m'appelle le doyen du dehors. Mm-hmm. Tu vois un peu, moi, j'ai toutes les informations qu'il faut. Donc, où c'est là, je ne sais pas, ne te stresse pas. Mm-hmm. Pose-toi. C'est comme ça que les gens gardent leur vie ici, dehors. C'est l'information. Donc, quand il faut avoir l'information, c'est pour ça qu'ils viennent vers toi. Après tes 10 ans à l'université, là. T'es sûr que j'allais avoir les informations? C'est toi qui as payé ça. Mmh. On dit que tu as fait. Bref, c'est toi. On dit mal. On dit toujours que tu n'es pas une bonne personne. Mmh. C'est moi que tu vois cela. Il a été délégué pendant 8 ans. Il a été délégué 8 fois. Mmh. En 3 ans. Petit frère, on renouvelle chaque semestre. Okay. On m'appelle le doyen du dehors. Tu attends d'abord. Tu es sûr que si je ne paye pas là maintenant, le jour, que ce soit le premier jour, on peut d'abord faire cours, on n'a même pas payé, ouais. On vient comme si on était chez nous, comme petit, c'est la maison de nos grands-mères. On dit que tu composes demain, tu peux payer ce soir. Si tu ne peux même pas payer ce soir, le lendemain, même si on dit que c'est à 6 heures que tu composes, tu payes. Je peux faire genre, on donne, je suis obligé de payer maintenant, mais le jour où on veut y aller composer là, donc à 7 heures comme ça là, si on veut composer à 7 heures, je ne vais pas payer vite à la banque là, même à 6 heures comme ça là.
passes d'abord à la banque. Ouais, tu passes d'abord à la banque, tu gères. On te donne et ton ticket et ton reçu. Après, on te donne le ticket de salle et même ton numéro. Petit peu, tu composes au propre. Mais petit, la fac, c'est bien. Facultatif. Parce que je me rappelle en terminale, là, j'avais failli un peu faire comme ça, là, avec, mais le patin m'avait fouetté très mal. Non, vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Comment facultatif? Si la zik était une go, j'aurais demandé son phone, je l'aurais séduit. J'aurais fini par me rendre compte que j'attends trop. Si la zik était une go, j'aurais demandé son phone, je l'aurais séduit. Et j'aurais fini par me rendre compte que j'attends trop. So listen to the sound of my voice. Your brother sending all my love. It's giving me no choice. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche la maison de Vince. Vince. Hein? La maison de Vince. Vince, non, c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. C'est mon, moi, je suis son bon gang. Moi, je suis son bon gang. Il reste dans le quartier, quand même. Il reste au quartier. Où ça? Hein? Ah, oui. En fait, quand tu entres là, tu vois un peu, non? Dès que tu entres là, face à toi, comme ça, là, à ta gauche, au fin fond, là-bas, à ta gauche. Tu vois, il y a une chambre avec beaucoup de trucs de vaudou. C'est quoi les trucs de vaudou comme ça, les trucs de la sorcellerie partout, avec les fleurs bizarres. C'est là qu'il reste. Ok, merci. Oui, mais attends un peu, pardon. Excuse-moi. Bon, c'est pas pour être désagréable. Mais c'est que nous, tu vois, on est dans un quartier résidentiel. Nous, on aime la paix. On n'aime pas les. En fait, c'est pour avoir plus de un bon renseignement. Toi, tu cherches Vince en tant que qui? Son ami et sa camarade de classe. Son ami. Bon, en fait, quand tu as mélangé les deux, ça m'embrouille un peu. Quand tu dis ami et camarade de classe, prenons ami. Ami avec grand A ou petit A? Grand A. Avec grand A. Mm-hmm. Ok, d'accord. Oui, bon, voilà, une dernière information, c'est que c'est sur le soleil. Il faut être à l'aise dans tout ce qu'on fait. Tu as un gars dans ta vie? Oui. C'est souvent comme ça que vous êtes, parce que vous voyez les gars avec le sac à dos. Quelqu'un peut changer ta vie comme ça là, parce que tu vois un gars avec le sac à dos, comme on est faquet. Mais Vince, ça, il doit gérer ça. Let's go d'abord dans mes warap. Quoi? Les boss comme ça, hey, merde, le petit fils, là, les trucs. Petit frère, j'arrive. Hey. R-E-M-A-K-E, House of Art. Elle aussi pourra te dire car ouais, pareil que je suis doué. Pick up à la musique, j'ai connu sans nombre souhait. R-E-M-A-K-E, House of Art. Elle aussi pourra te dire car ouais, pareil que je suis doué. Oh, Kessi Chou, la belle. Toujours choquant, Jean là. Ok. J'espère que pour arriver ici, ça n'a pas été difficile. Tu sais, dans les quartiers résidentiels comme ça où on loue la chambre à 80 000 le mois. Là. Tu vois, avec les voisins, tu vois, c'est sécurisé. Pas le genre de quartier où tu arrives au carrefour, on te sort, il y a le couteau là. Ici, là, c'est chic. Avec tu vois un peu le bâtiment aussi, comme il est le ministre là, c'est mon oncle. Donc, tu es arrivé facilement, il n'y a pas eu de problème, non. Tu as fini. Bon, sinon, dis-moi, alors, tu sors d'où comme ça? J'étais finalisé mon inscription. Enfin, fini les casse-têtes. Ah, fini les casse-têtes. Et toi, alors? Bon, pour moi... Bon, Kessi, tu sais, les trucs comme ça, vraiment, je suis pas pressé. Nous, on a soulevé notre esprit à un niveau vraiment dimensionnel au 7e ciel. Donc, on n'est plus là dans les petites tracasseries que, oh, tu t'inscris, tu es comme ça, l'école n'a même pas commencé, tu n'as même pas encore fait un coaching, même si tu vas continuer, tu t'inscris à vite, tu donnes un gros 50 000 comme ça, là. Nous, on n'est pas pressé, dis donc. Ce sont les trucs des enfants, se presser, là, comme ça, là. Quand tu es en maturité, quand tu atteins un certain niveau de maturité, tu prends ton temps avant de faire les choses, tu vois. Espérons que ça ne te cale pas au coup. Non, ça peut vraiment me caler au coup. Je suis un ancien. Bon, un nouveau, mais avec les conseils d'anciens, tu vois un peu, non? Parce que même l'expérience, c'est aussi ce que tu entends. C'est pas seulement ce que tu vis, tu vois un peu. Bon, sinon... Tu es quand même... Ça part. Tu es joli, un genre, là. Comme il fait chaud, là. Tu peux même prendre un peu sur l'argent, là. On peut prendre un petit pot, là. Je t'amène à un restaurant. Un bon restaurant chic, un genre, là, que, tu vois. Ne te fais pas des idées, hein. C'est parce que tu es la seule personne avec qui j'ai sympathisé lors des préinscriptions, donc c'est mort. C'est mort, ouais. Ok, entre, non. Il y a l'eau, mais ce n'est pas glacé. Si la zik était une go, j'aurais demandé son phone, je l'aurais séduit.
tu aurais fini par me rendre compte que j'attends trop. Si la zik était une go, j'aurais demandé son phone. Un B, deux sur WhatsApp. Oli, ah, ça dit quoi non, grand reçu, tu es venu chez moi. Bonjour. Non, il y a les micros. Et la précision vaut la peine. C'est Monsieur Oli, c'est pas Oli. Tu vois un peu, parce que je suis quelqu'un de très important. Tu vois un peu. Et ton quartier vraiment, il est, je sais pas, médiocre, hein. Il est inadmissible que dans un quartier, l'atmosphère est polluée à un niveau, je sais même pas. Tu te balades, il y a les chiens partout, les chiens errants, et tu vois comment les papiers partout, et tu vois les herbes, les gens posés. Oli, doucement, calme-toi. Kishita, je sais que tu es très jolie, mais c'est pas Oli, c'est Monsieur Oli. Hein? Voilà. Alors, vraiment, regarde, les papiers posés. Bon petit! Ça dit quoi? Ça dit quoi? On est là-bas, ici là. Ouais, ici là. Go out, ton cosse. Fallait le papa du village, le forme Pia. La ville en village, le gars serré. On dit que le gars serré le ring. C'est comme ça qu'après quelqu'un peut venir mourir ici. Donc vous êtes là alors, en collège de nouveau. Allez là, mon gars. Je dois les apprendre comment ça se passe. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà. Faut capter les infos. Oh, la beauté, la belle fille. Tu sais que c'est ton ami sinon. Comment sa définition? Tu sais alors que c'est moi qui lui ai indiqué ta maison. Ah bon? Eh petit quoi, je l'ai tamponné là dehors. Je l'ai tamponné là dehors, elle était un peu perdue là. Moi je lui ai indiqué. Tu n'as pas perdu non. Tu vois, c'est ça que je disais. Ouais, les fétiches là. Tu te retrouves facilement. Ouais, je dis, tu as un faux sport. Ouais, les gars, c'est en streaming. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà, l'eau là, tu as l'eau glacée non? Oui, c'est glacé. Il y a l'eau glacée. C'est ici là. Il dit que j'ai mangé le bita à tu dis que maman est petit. Moi, j'ai respecté. Il a dit que l'homme est là. Merde! Les pâtes que tu disais que tu avais fait le matin, tu as fait ça. Il dit, on ne peut pas préparer, tu ne manges pas. Il dit, frère, c'est là où vous perdez souvent le nord. Quand tu arrives ici, il faut vivre en communauté, en famille. Parce que tu m'aides aujourd'hui, demain, il peut t'aider. En tout cas, est-ce que tu demandes souvent? Voilà. Vas-y. Maman, il faut l'écouter. La tête est percée. Il y a les pâtes. Donc, si tu veux, toi et moi, on. J'arrive. Non, elle est là. Oh, mais c'est là, elle est dans le système, mon petit. C'est comme ça, il faut que dégager. On va manger gratuitement, on n'a pas dans le système comme ça. Bouge là-bas. J'adore ton voisin, il est trop drôle, mon frère. Il est trop sorti. Il est sorti au début. Voilà les aides. Ouais, il sort. Ça m'étonne qu'il est encore là. J'ai fait ta gamme. C'est 30 000 le mètre carré. Mais je dis, c'est qui ça? C'est le voisin, non? Mais il sent mauvais. Bon, en fait, la dernière fois qu'on s'est rencontrés là, moi, en fait, j'étais à pleurs, tu vois. Donc, mon inscription était à finir, pré-inscription, tout, j'ai les cahiers, j'ai tout, même les livres, les fascicules. Donc, où je suis là, non, je suis prêt. Parce que ma grande soeur, non, elle était de l'autre côté de la route. C'est pour ça que moi, je l'attendais de l'autre côté de la route. Et là, maintenant, donc, je suis là, je suis comblé, tranquille. Moi, je suis quelqu'un que moi, j'aime prévoir tout à l'avance. Donc, je suis posé. Tu as la venue chercher quoi ici? En fait, ça tombe même bien comme tu es là parce que on va prendre l'avance sur les autres, tu vois. Parce que j'ai parcouru tout le programme, j'ai fait des recherches sur internet. Franchement, c'est la magie. Donc, le programme est tellement vaste, il est consistant, les professeurs sont préparés. Et là, on va prendre l'avance sur les autres, tu vois un peu. On va réviser, on va commencer les révisions dès maintenant. On va réviser qu'on a fait quoi? Ah ah! On va s'en sortir avec l'enfant aussi. Non, c'est pas ça. Comme tu vois, moi je suis venu avec les anciens cahiers et les anciens bords, avec les anciennes épreuves. Donc ça va aller très vite. On va réviser. Et tu vois que à la fin de l'année, nous sommes validés. Si la zik était une go, j'aurais.